Ni. David, il faut faire ni. Ni. Elle a dit non. Tu sais dire ni. Ni. Fais ni. 1, 2, 3. Ni. Non. Ni. Ok, bon. Bon, donc aussi, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo avec Gordon Deza et moi, bien sûr, Antoine Deza et David Deza. David Deza qui remplace Alexandre Deza exceptionnellement cette semaine. David Deza qui mange. David Deza qui mange sa manette. Alors, pour vous présenter, non pas des périphériques de jeux vidéo, enfin presque. Ouais. c'est du Fisher Price, c'est des jeux Fisher Price. Fisher Price et. Alors, par exemple, on peut le montrer? Je vais montrer. Hein. Une manette qui ressemble plus à une manette de Xbox. Voilà, qui sourit quand même. Qui sourit. Voilà. Et après, une console Game Boy. Une espèce de console avec le jeu là et les manettes et les points. Et en plus, il faut savoir qu'il y a un cheat code incroyable. C'est bon, qui ne parlera pas aux enfants, mais plus aux anciens, ouais. On va dire. Hein, et on vous montre tout ça hein, de suite après le générique. Bon, on va les allumer, peut-être pas les deux en même temps, parce que sinon ça va faire du bruit. On commence par quoi? Celui qui tient en main. Celui qui tient en main. Comment tu l'allumes? Ici, c'est bon, j'allume. Je l'allume dans 3, 2, 1. Oh. Voilà, alors Fisher Price a édité donc, des jouets inspirés un petit peu rétro gaming, enfin gaming en tout cas. Ouais. Avec cette Game Boy assez, assez marrante. Avec tout plein de boutons. C'est bien, hein? C'est beau? C'est beau? David s'amuse tout le temps quasiment avec. Alors. Et des fois, on va remarquer qu'il y a presque des musiques qui ressemblent à celles de jeux rétro, comme par exemple Zelda. Bon, là, je sais pas quel jeu, mais. Alors, tu me le passes? Tu me le passes? Tu passes à David. Alors là, en l'occurrence, en haut, vous voyez marqué, non ou pas, vous voyez peut-être pas marqué, les aventures de Pupi, c'est ça, hein? Non, l'aventure de Pupi. Pupi le chien. Alors, c'est un chien un peu pixelisé, vous voyez un petit peu sur l'écran là. Hein, peut-être, peut-être pas. Et chaque bouton fait un petit bruit, évidemment. Oui, je te le rends. Un petit bruit marrant. Après, sur le même concept, la manette. La manette qui n'a pas de nom spécial. Ah, c'est une espèce de manette sans pied. Oh, voilà. Le début, c'était. Oui, c'était du Tetris. Il y a du Tetris. Mais vous entendez, c'est les bruitages de Tetris. Oui, il y a des bruitages de Tetris. Bon, c'est très inspiré Tetris. Dans le truc Game Boy, il y a beaucoup de trucs inspirés, hein, à force d'écouter. T'as vu Mario. Mario. Mario, ouais. Attends, on écoute. Zelda. Ah ouais. Zelda. Il y a plein de trucs comme ça. Oh, les sales reprises. Lui, il connaît pas. Non, lui, il connaît pas. Mais c'est qu'il y a que nous qui pouvons avoir les références. Attends, c'est quoi ça? Un test. Je vois pas. Je sais pas. Mais c'est des musiques inspirées, on va dire, des jeux rétro. Ouais. Attends, ça me dit que c'est, mais c'est pas doux. C'est pas un boss de fin, ça? Encore une? Encore? Bon, je crois que c'est le truc de. Ça, je connais pas du tout. Ouais, change. Attends, une fois. Ouais, je vois, c'est celle-là. C'est pas un Mario un peu. Je vais passer là. C'est bon, stop. Bon. On peut l'éteindre? Ah ouais, en plus, ce qui est marrant, c'est que regarde sur le côté, t'as des pièces qui ressemblent à Tetris. T'as des petits. La lumière est trop forte. Ouais, trop près, c'est bon. Je la baisse. Non. Allez, je vais s'amuser. Oui, pardon, on lui a pris son jouet. Donc en fait, c'est la cassette qui envoie les musiques. Ouais, c'est quand on met le jeu en fait. Voilà, à chaque fois que vous mettez le jeu, en fait, ça envoie une musique différente. Alors ça, je pense que ça va amuser pas mal de parents. Ouais. Rétro gamer.
Bon, pardon, je l'éteins. Il m'a vu l'éteindre, il va sûrement réussir à le rallumer. Bon échange, on fait comme ça, c'est du coup. Regarde, il pousse mon doigt. Tiens, prends celui-là, essaye celui-là. Alors ça, pour comparer, prends-moi la Game Boy bleue, là, pour comparer à côté. Pour voir un peu la taille, si ça correspond, les couleurs. Oh, ouais, bon, la couleur, elle est pas loin. La couleur, elle est pas loin, et la taille aussi, regarde. On sent que c'est inspiré, voilà, de la Game Boy Color bleue, quand même. Taille, non. Couleur, ouais, pas loin du tout. Juste que là, à l'arrière, c'est pas la même chose. C'est juste combien d'arrière. Non, c'est quasiment la même. Ah, je croyais qu'il préfère la Game Boy. Non, pas celle-là. Il y a que moi. Espèce de fou. Il lui donne mes objets de collection, tout va bien. Bon, mais ce qui est intéressant, voilà, dans ces périphériques pour enfants, enfin des périphériques, c'est pas vraiment des périphériques, c'est des simples jouets, mais pas si simples que ça, parce qu'ils ont tous les deux un cheat code caché, et vous savez ce que c'est le cheat code caché? C'est le Konami code. Oh, oh, bah, gauche, là, comme ça. Alors, oh, oh, bah, bah, gauche, droite, BA. Alors, okay. Montre bien ce que tu vas faire, là. Oh, oh, bah, bah. Attends, oh, oh, bah, bah. Ensuite gauche, droite, BA. Gauche, droite, BA. Écoute. Tu as réussi. Voilà. Alors, c'est rien, hein. Mais en fait, si vous faites ce cheat code, et ben vous avez une petite, une petite animation. En plus, on a entendu le son, une espèce de one-up de Mario. De Mario, ouais. Ouais, vas-y, refais. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A. Il y a la pièce. Et le son de la pièce. Le son de la pièce. Alors, le cheat code fonctionne aussi sur la manette. Voyons voir ce que ça fait sur cette manette. Attends, est-ce que ça marche? C'est le joystick ou c'est le... Ah, je sais plus, bon, c'est Alexandre qui me l'avait fait. Bon, on va faire comme avec l'autre. Du coup, on va faire le ici. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, B, A. B, A. Mais Davide, tu as parlé juste quand ça a fait le truc. Allez, refais. Diable, niveau 4, première place, niveau magnifique, point. Gagné. Pas le même son. Pas exactement le même son. Alors c'est un tout petit truc. Ça sert à rien, on est d'accord. Oui. Surtout que les gamins n'y arriveront jamais. Mais on est d'accord que ça c'est un truc qui a été prévu pour les grands. Ouais, c'est... Alors, en gros, c'est les rétro-gamers qui vont voir ça et vont donner à leurs enfants, mais ils vont jouer plus eux. Alors, il est vrai que celui qui a l'origine de ce cheat code de Konami, donc c'est un japonais, c'était au moment où il avait programmé Gradius, donc qu'il avait mis au point ce cheat code, mais sur NES, dans le code quelque part, il y a toujours ce cheat code. Nous, on le connaît surtout par rapport à ce jeu que vous voyez derrière ou pas. Contra. Alors, c'est Contra, bon, on l'a eu sur le nom... sous le nom de Probotector, et ça nous permettait d'avoir 30 vies. Tu le faisais avant le... Oui, tu m'as déjà montré. Avant l'affichage voilà, du logo Contra, ou Probotector, tu fais oh oh baba, gauche droite, BA, start, et là vous commenciez avec les 30 vies. Et du coup, alors ce cheat code qui est, on va dire, je crois que c'est le premier de l'histoire, en tout cas le plus connu parmi les rétro gamers, Il a été utilisé sur d'autres jeux Konami. Mm-hmm. C'est quand même marrant de le retrouver presque 40 ans, enfin plus de 30 ans en tout cas, plus de 30 ans après chez Fisher-Price. Alors il n'y a pas de copyright sur ce... Non, il y a des thèmes, des musiques à thème, on va dire. Mais ça ne respecte aucun copyright, on est d'accord. Mais en vrai, ils font des musiques presque Mario, c'est des presque musiques. Zelda, en fait. C'est des presque Zelda, voilà. Mais, je pense qu'il y en a plus quand même, mais quand même, ça m'intrigue de faire un blind test maintenant. Ouais, non, on va pas le faire maintenant. Ouais. Alors, tu joues Davide un petit peu? Alors, merci Davide de nous avoir prêté tes jouets, parce que c'est à lui, hein, en fait. Hein. Moi, je lui avais acheté ça, voilà, il vous montre. Regardez. Ceci est... Sa belle Game Boy. Il fait une musique. Oh, il lui montre en plus. Il fait une musique. Vas-y, ah, oui, il a compris. Une musique. Musique encore. Musique. C'est Mario. Mamie? C'est quoi mamie? Mémé. Ah mémé? Tu veux voir mémé? Maman.
Mamie? Maman? C'est maman anglaise? Maman américaine? Mamie? C'est... Zelda. Peut-être, je sais pas. Zelda, moi je dirais Zelda sur... Il est trop marrant. Montrez-moi mon jouet. Il a tout compris. Il a tout compris à la chaîne. C'est bien, montre aux abonnés. Mais, ah, c'est ce qu'elle... Dans la chanson, dans les paroles, elle a dit « Oh, oh, baba, gauche-droite, Béa, ah bon, tu peux le faire !» T'as pas entendu ? Refais la chanson. Refais. Tu peux le faire. Ah, c'est bon. Attends. Parce que c'est en français, évidemment. Ça a été adapté en français. C'est des jeux à la base américains, donc il y a des vidéos américaines hein, qui vous montrent... qui vous montre ce cheat code, mais bon... Attends. Attends, encore une. Zeldo. Oh, le chat courrait. Que lui, ça m'est... Non. Tu peux le faire. Je crois que non, c'est pas ça. Jouer, c'est amusant. Chacun son tour, on est gagnant. B-A. Non, joystick il marche pas. Enfin, ça ah marche non, pas. Il sert à rien. Joystick ça marche pas. J'ai essayé, d'accord. Ah, ou alors c'est juste quand tu appuies, tu l'enfonces. Ah. Bon. En tout cas, merci David hein, pour tes jouets. Merci à vous de continuer à nous suivre, même si on fait un peu moins de vidéos en ce moment. Hein, c'est un petit peu la trêve estivale. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, peut-être avec David et Deza. Et on espère le retour d'Alexandre Deza bientôt. Hein. Aïe. Bon allez. Je dis coucou, ciao. Ciao. On a envie de musique. Ciao. Allez, ciao. Et là.